Allez, bonjour à tous, c'est Amani Serge. Dans notre vidéo passée, nous avons parlé de l'état financier de la société Unilever Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser essentiellement sur la courbe. Alors, prêtez attention et voyez ensemble avec moi la courbe de la société Unilever Côte d'Ivoire. Let's go. Eh bien, donc, voyez ensemble avec moi dans cette vidéo les résultats, c'est-à-dire la courbe de la société Unilever Côte d'Ivoire. Comme vous voyez là, voici le nom de la société qui est écrit, Unilever Côte d'Ivoire. Vous avez les différentes variations et les chiffres qui correspondent à ces variations. Bien, donc maintenant, venons-en à la courbe. Regardez ici, nous sommes en date du 21 février 2021. Oui, bien sûr, nous sommes en date du 21 février 2021. Et, pardon, 2020, pardon. Oui, 2020. Voilà, nous sommes le regardez bien le 12 novembre 2020. Voilà. Et le prix de Unilever Côte d'Ivoire était à 4 165 francs. Vous pouvez lire à droite dans le noir. Voilà. Et la date est en haut dans le noir aussi. Voilà. Et nous verrons là qui est le 15 mars 2021. L'action a chuté à 4 085 francs. Et nous verrons ici qui est en date du 22 juin 2021, le prix est monté, est remonté jusqu'à 4 392 francs. Et ici, nous sommes le 4 août 2021, le prix est monté juste un peu à 4 552 francs. Et nous verrons là qui est la date du 24 août 2021, le prix a chuté à 4 401 francs. Et ici, le prix est revenu au même niveau qu'avant, c'est-à-dire qui était 4 556 francs, qui est la date du 12 septembre 2021. Et ici, nous venons là. Si nous venons là, nous voyons que nous sommes le 19 octobre 2021. Oui, 19 octobre 2021. C'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Et que vous voyez bien, le prix est 4 843 francs. Donc, voici un peu l'observation et l'analyse de la courbe de Unilever Côte d'Ivoire. Quand vous avez cette donnée, quand vous pouvez faire des recherches pour trouver cette donnée, cela vous donne un aperçu, un éclaircissement sur à quel moment vous devez acheter vos actions et à quel moment vous devez les vendre aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, voici ce qui est pour Unilever Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, il faut toujours avoir des données sur lesquelles il faut vous baser avant de prendre vos décisions d'investissement. Voilà ce qui est clair. Yeah. Allez, donc merci bien d'avoir suivi cette courte vidéo sur la courbe de Unilever Côte d'Ivoire. Maintenant, n'oubliez pas, si vous voulez apprendre ce que vous apprenez quotidiennement dans cette vidéo, si vous pouvez prendre votre éducation, vous voulez prendre votre éducation financière à un autre niveau et apprendre à investir, apprendre cela aussi à vos enfants et qui à leur tour vont perpétuer cela sur les générations. Joignez notre académie qui est Amani Academy et venez apprendre comment investir à la bourse, comment gérer votre argent, comment multiplier votre argent. Oui, n'oubliez pas, nous attendons chez Amani Academy, nous attendons pour pouvoir vraiment avoir une nouvelle expérience avec vous dans l'apprentissage et l'éducation financière. Allez, on se voit dans le cours. À bientôt.